Moussaf Alhamdani, je suis artiste, chanteuse, musicologue et enseignante dans les techniques vocales de chant. Je suis une chanteuse qui fait une carrière en Tunis ou Khaj Tunis. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. La deuxième langue, le français, que je maîtrise depuis très jeune ou que j'aime particulièrement. Pas juste comme un touriste qui parle français, mais comme quelqu'un qui est un peu sa langue natale en quelque sorte. Facilement, je m'intègre, je me suis retrouvée. Mais les grands acquis, il y a cette double culture. Et nous vivons en Tunis, en réalité. À travers mes voyages, tous les projets où j'ai été amenée à partir vers une autre culture, voilà, dans un autre pays, l'environnement francophone, une plateforme commune entre tous ces gens-là. Quel que soit le place que nous allons, quelle que soit l'expérience que nous allons faire, le festival que nous allons faire, il y a toujours quelqu'un qui va vous parler en français. Car il pleut toujours sur le Luxembourg, il y a d'autres jardins pour parler d'amour. Il y a la tour de Pise, mais je préfère Venise, viens fais tes bagages, on part en voyage. En tant que Tunisienne, je suis très fière. Que le sommet de la francophonie se passe en Tunisie ou li houa Tunis start معناتها البلدان les francophones le col باش يكونوا موجودين et puis encore mieux في Djerba, donc ça va certainement permettre à des gens de l'extérieur de visiter Djerba et de revaloriser le tourisme tunisien خاطر الكل مربوطين ببعضهم هما finalement francophonie tourisme musique culture. Donc tout ça, ça peut être que du bien pour moi déjà, en tant que citoyenne tunisienne, en tant qu'artiste tunisienne, femme tunisienne, ou بالنسبة لتونس زادة ou بالنسبة للاقتصاد الثقافي الفرنكوفوني يعني نوعا ما. Je te donne rendez-vous à la gare de Lyon, sous la grande horloge, près du portillon, nous prendrons le train pour Capri la Belle. Pour Capri la Belle, à la gare.